À la télé, on voit pas tous les sacrifices, on voit la course, mais à la maison, c'est là où c'est le plus dur. Moi, les stages avec l'équipe ou même les compétitions, c'est ce qu'il y a de plus facile. Il faut juste donner son effort au maximum. Mais le plus dur, c'est la préparation, c'est l'alimentation à la maison, c'est les sacrifices, c'est se coucher tôt, c'est de se mettre des barrières par moment quand on n'en a pas forcément de l'envie. Moi, je l'écoute beaucoup, je sais que elle est extrémiste, elle est aussi extrémiste que mon père d'ailleurs, ils s'entendent très bien dans leur manière de faire, mais moi c'est ma manière et je suis aussi en couple avec elle pour ça et je m'entends aussi tellement bien avec mon père pour ça. C'est que c'est des personnes, je pense, qui me correspondent. Moi j'ai peut-être cette impression de je m'en foutisse, tranquille, zen, et le fait d'avoir des personnes qui sont là toujours à me booster, ça me permet d'aller encore plus loin et d'aller me chercher encore plus haut. Et c'est clair que pour beaucoup de compagnes et beaucoup d'entourages, c'est pas forcément facile.